Bonsoir. Et M. Pokora, Nicolas Lilieu. Ça va les garçons? Ça va, bonsoir. Bien installé. Tu vas parler avec la voix de Bisounours tout Oui, voilà. Bon, vous étiez déjà avec nous il y a quelques semaines ici avec Caroline Costa pour nous parler de Robin des Bois. Ça commence le 26 septembre. Depuis, bah, vous avez un petit peu enchaîné les dates, etc. Oui. Et puis les entraînements, Matt, séance de muscu, séchage, régime, tout ça. Ouais, bah beaucoup de travail physique, de préparation physique pour le show, parce qu'on a envie avec mes camarades de faire le plus beau show possible et le plus spectaculaire possible. Donc on s'entraîne tous très dur. Voilà, et voilà, j'y échappe pas. Donc encore ce matin avant de venir, il y a 3 heures d'entraînement, voilà, à la salle de gym. T'as commencé à quelle heure ce matin? 9h. Ah. 9h. Bon, voilà. Nico nous confiait qu'il s'était couché un petit peu tard cette nuit aussi. Ouais. Un peu s'entraîner à FIFA hier soir. Non, moi j'ai fait le déménagement de mon meilleur ami, ouais, c'est pour ça. Voilà. Bon, par contre à FIFA, je crois que personne ne bat M. Pokora. Hein. Ouais, on s'est pas encore affronté avec Nico. C'est vrai? Ouais. On s'est pas encore affronté. En tout cas, c'est moi qui ai mis le plus beau but. Au Palais des Congrès, on va mettre une petite PlayStation. Palais des Congrès pour Robin des Bois. On aura 4 mois là-bas pour tous les jours se faire un petit FIFA. Vous affronter. Depuis la dernière fois, alors tu nous avais parlé de tir à l'arc. Tu devais t'entraîner. Est-ce que ça y est, tu maîtrises un petit peu le Toujours sujet? Pas. J'ai pas encore eu mes leçons. Ah, non. Bah, non. Là, d'abord, je sache faire mes saltos avant, saltos arrière, tout ça. Et puis, le tir à l'arc, ce sera un peu plus rapide à apprendre quand même. J'aime bien comme tu nous parles de ça. Bon, d'abord, il faut que je maîtrise le salto avant, salto arrière. Salto avant, ça y est, c'est bon. Tranquille. C'est acquis. Maintenant, j'ai entamé le salto arrière, c'est autre chose. 2 représentations par jour à chaque date de la tournée. Le rythme va être très, très, très intense. Pour toi, Nico, ça se passe comment la préparation hein? Parce que Matt, il fait beaucoup d'acrobatie, de muscu, etc. Et toi? Ouais, bah, moi, ça se passe bien aussi. Moi, j'ai commencé tout seul de mon côté. Et puis là, on a un coach, ça y est. Ouais. Donc, c'est pareil. Après, hein, c'est préparation physique, c'est le souffle, l'endurance, tout ça. Bon, vous êtes plus souvent en train de faire du sport que de chanter finalement. C'est pas un peu frustrant. En ce moment, ouais. Vous allez vous rattraper ce soir? Ouais, voilà. Voilà. Voilà, c'est bon, ça. Tu montrais tes mains, Matt, tout à l'heure, ouais. Pleines d'ampoules, etc. Ouais, des cloques et tout. Bon, vivement que la préparation. De la corne, comme on dit, de la corne. Voilà. Mais non, mais c'est bien, au contraire. Parce que maintenant, j'ai plus de douleur dans les mains. Tu sens plus rien? Ah ouais, c'est les montées de cordes aussi. On fait des montées de cordes et tout. Donc c'est à force de faire ça, de faire des tractions sur les barres, les machins comme ça. Donc au moins, ça me permet de plus avoir de douleur dans les mains maintenant que j'ai de la corne, tu vois. Tout à l'heure, vous êtes sorti. Passionnant. Vous êtes sorti des balances du Radio Bellevue. Vous avez pu voir la salle. Ça s'est bien passé. Tout vous convient. Il vous manque rien? Vous me dites, hein, sinon je peux aller chercher ce qu'il faut. Non, c'était pas terrible, mais bon. Il manquait un peu de jus de goyave à l'entrée. Ok. Ça manquait aussi de spectateurs qui sont en train d'arriver. Ça manquait de spectateurs. Les portes sont ouvertes depuis quelques minutes. Ils sont en train de rentrer. Ça y est, c'est la guerre. Ah, oula. Je pense que la guerre aux places tout devant va être un peu féroce. Matt, ça cartonne pour toi. Génération Goldman, Les Enfoirés, l'album DVD Live à la recherche du bonheur tour, Live Bercy, ça a cartonné aussi. Mmh. Après tout ça, est-ce que tu te fais encore du souci pour Robin des Bois, les critiques sur le spectacle? Parce que bah forcément. Enfin là, commercialement parlant, Robin des Bois, on est très rassuré parce que voilà, l'album est déjà 10 de platine, que le spectacle, on est déjà à plus de 150 000 billets vendus, donc on est rassuré à ce niveau-là. On sait que les salles seront pleines. Ouais. Maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est surtout pas décevoir les gens. Enfin, moi, ça m'intéresse pas de connaître le succès commercial si les gens sont pas satisfaits à la sortie. Donc moi, ce qui m'importe avant tout, c'est de me dire que voilà, après la première le 26 septembre, que le lendemain voilà, les premiers commentaires soient super positifs, que les gens soient impressionnés, qu'ils aient passé un bon moment. Et voilà, on est tous dans cet état d'esprit. C'est pour ça que d'ailleurs longtemps en amont, on s'est tous préparés pour être des machines de guerre, tout simplement, le jour où on arrivera sur scène. La dernière fois avec Nico et avec Caroline, j'ai senti qu'il y avait un vrai esprit d'équipe, une super entente entre vous. C'est toujours le cas? Il n'y a pas eu de clash depuis? Non. Non, non. Même avec Je me suis énervé l'autre jour, je lui ai rasé un peu les cheveux sur les côtés. J'ai pris la couette, j'ai rasé autour. Et puis voilà, et moi, il m'a dit, tu vas laisser pousser tes cheveux, punition. Voilà, donc voilà. C'est vrai d'ailleurs, c'est un nouveau look. Ça te va bien, mais pour c'est faire un c'est peu pour un peu le mec de Sherwood, ouais. D'accord, ok. Ouais, c'est pour Robin. Tu vas les avoir beaucoup plus longs que ça ou... Bah, je laisse pousser jusqu'à ce que mort s'en suive. Tu veux faire comme moi? Jusqu'à ce que mort s'en suive. Raser sur le côté avec la petite voilà. Sur le dessus. Pas mal. Je suis impatient de vous découvrir ce soir sur la scène du Radio Bellevue parce qu'on va avoir droit à des titres de Robin des Bois. Ouais. Et forcément, on est tous très impatients parce qu'il y a Christophe Maé qui est passé tout à l'heure. Lui, il va nous présenter des titres de son nouvel album. C'est pareil, on est très très impatients de découvrir tout ça. En tout cas, ça nous fait plaisir de vous recevoir comme à chaque fois à Lyon. J'ai juste une question qui n'a rien à voir avec Robin des Bois. Est-ce que, avec vos actualités, vous arrivez à vous poser? Parce que toi, t'as déménagé donc cette nuit, on l'a compris. Non, c'était pas moi, c'était mon meilleur. Oui, enfin, t'as fait un déménagement cette nuit. Est-ce que vous arrivez quand même à vous poser en dehors des séances de répète et de muscu, tout ça? Vous arrivez à rentrer chez vous?
tard le soir, ouais, devant la PlayStation. Ouais, moi j'ai les journées sont bien remplies. Ah, j'ai vu que tu suivais un petit peu The Voice aussi. Ouais, j'ai suivi aussi, ouais, forcément. Ouais. Ben c'est... Ouais, Johan, j'adorais en plus. Chiens, hein. J'adorais, ouais, c'est un ovni. Vraiment, c'est un mec. Incroyable. Il est lunaire. Il est lunaire, le personnage. Et puis, comme, enfin, d'un coup, quand il entre sur scène, c'est juste magique ce qui se passe. Donc, et de voir quelqu'un bégayer comme ça et, bah, justement, oublier son petit handicap comme ça quand il se met à chanter, c'est juste magique, c'est magnifique. Et voilà, je trouve que, pour le coup, avec un gagnant comme ça, le concours porte vraiment bien son nom, quoi. Ça, c'est clair. T'as regardé un petit peu Nico aussi? Ah ouais, complètement. À fond sur la finale aussi, et j'ai adoré. Et en plus, ils chantent tous, les mecs, donc. Ouais. Et puis, je trouvais que c'était une belle finale et ils étaient tous achetés. Ah, c'est touchant. Ouais, c'est vrai. Il y avait, du très haut niveau cette année. Niveau, ouais. Vraiment, cette saison, il y avait un gros niveau. C'était violent. Bon, bah, ce soir, je pense que vous allez par contre surclasser tout le monde, puisque vous serez au Radio Bellevue de Lyon-Calvure. On fait une petite pause. On écoute Sean Paul maintenant sur Radio Scoop avec She Makes Me Go. Non, on continue à parler. Ah, bah alors, parle-moi, vas-y. Pose-moi des questions. Fais-moi l'interview, tiens. Vas-y, donne-moi. Ah, mais non, mais. Bah, toi, t'as des fiches. Ah, non, mais vas-y, bah, pose-moi des questions sur moi. Alors, comment. Ma vie est passée. À quelle heure t'es-tu réveillé ce matin? Alors ce matin, je me suis réveillé, il était 8h. 8h, pourquoi faire? Parce qu'il fallait préparer un petit peu votre venue, préparer le Radio Bellevue aussi. Combien d'artistes tu as interviewé aujourd'hui? Aujourd'hui, alors attends, je fais le compte. Zao, Amel Bent, Calogero, Stanislas, il y avait Philippe et Elsa qui étaient avec eux. J'ai eu... qui ça? Christophe Maé qui était là aussi, puis vous deux. Donc ça fait, et Jennifer, non? Jennifer a pas pu, problème d'emploi du temps. Ouais, c'est ça, ouais. Ah bah tu l'engueuleras. Ouais, c'est ça, ça. Je l'attendais de pied ferme. En fait, ah ok, d'accord. D'accord. À la prochaine fois, je dirais que j'ai un problème d'emploi du temps. Non, mais en plus, ça fait plaisir. Non, je rigole. De voir ici au Grand Café des négociants en direct sur Radio Scoop. Ça fait bien plaisir. Et puis, il y a des gens dehors aussi, là, qui se les gèlent depuis tout à l'heure. Il y a du monde. Et en plus, c'est plaisir. Et en plus, il fait pas beau, mais c'est pas grave. Voilà, il fait pas beau, mais ça, c'est comme partout en France. T'inquiète pas, ça, c'est tout à fait normal. J'ai vu ça en plus sur Twitter, tu l'as mis tout à l'heure. Ouais, il fait dégueulasse partout. Ça te freine le moral un peu cette histoire parce que. Mais en fait, c'est frustrant quand même parce que on est quand même au mois de mai, on arrive fin mai et on n'a pas eu. J'ai une chemise, un t-shirt. Normalement, je sais pas, moi, les autres années, au mois de mai, on était en t-shirt déjà tous. En Bermuda, les tatanes. Voilà. Et puis dans un mois et demi, on verra presque plus le jour aussi. Voilà, et dans un. On aimerait bien kiffer avant que ça commence vraiment. Donc le mec vient de nous ruiner le moral. Enfin, bref. Tout ça pour dire que quoi qu'il en soit, ce soir, on passera une. Pure soirée. Fucking belle soirée. Ouais, grave. Voilà. Exactement. Ce soir, Radio Bellevue, je le dis, ce sera en live sur Radio Scoop, en direct, dès 21h, coup d'envoi du concert. Et ce sera aussi à vivre en vidéo. Allez, tu peux lancer Sean Paul. Sur Radio Scoop.com. C'est quoi, on va lancer engueuler par Laurent Jean-Paul. On va lancer la pub, on se retrouve dans un instant. A tout de suite sur Radio Scoop. Mais Jean-Paul.